Salut à toutes et à tous, c'est le Rebel Capitaliste, Encore moi, j'espère que vous allez bien. Euh, je voulais rebondir sur un débat que j'écoutais récemment entre Peter Schiff et Brian Johnson sur euh, la, ch la chaîne de George Gammon. Je vous mettrai le lien en description, euh, qui s'appelle Rebel Capitalist Show et que je vous conseille, parce qu'il y a beaucoup d'analyses techniques, graphiques, etc., qui sont vraiment bien réalisées, même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec George Gammon, qui a tendance à faire thèse, antithèse, synthèse, bon, ça a ses limites, je pense que Peter Schiff, au niveau analyse fondamentale, est bien meilleur, mais cela dit, il a, comment dire, L'opportunité et l'intelligence de euh, euh, faire venir sur sa chaîne des gens euh, très intelligents. Et je pense que ce débat sur le dollar entre Peter Schiff et Brian Johnson euh, vaut vraiment euh, l'écoute parce que il euh, y a beaucoup d'arguments euh, euh, avancés et je dirais que euh, c'est quand même un débat extrêmement compliqué parce que. Si vous voulez, euh, les euh, parités entre monnaies, ce sont des jeux relatifs. Euh, et donc si votre monnaie se porte mal, mais qu'à côté, la monnaie des autres se porte encore plus mal, eh bien, euh, votre monnaie euh, prend en valeur. Donc, euh, <laughs> c'est assez contradictif, parce que vous dites que euh, votre monnaie va mal, mais finalement, euh, elle gagne de la valeur par rapport aux autres. Ben bah, oui, mais si les autres sont encore plus mauvais que vous, euh, forcément, euh, relativement, euh, vous en sortez bien. Donc, c'est un petit peu ça la, la difficulté sur... Euh euh, L'analyse euh, fondamentale, je dirais, au niveau de l'évolution euh, euh, du dollar par rapport euh, à ces autres parités, euh, par rapport aux autres monnaies. Et finalement, le débat entre Peter Schiff et Ben Johnson repose sur euh, cette, euh, cette distinction, cette opposition, je dirais, euh, qui consiste à, à dire en, en synthèse que, en, en gros, Peter Schiff dit euh, ⁇ Les États-Unis euh, vont mal et c'est encore plus pire que euh, comment les autres... ⁇ se comportent. En gros, les États-Unis, c'est plus pire qu'ailleurs, si je peux résumer ça vraiment simplement et familièrement. Et Ben Johnson dit, en gros, euh, euh, non, comment dire, les autres, c'est encore plus pire que les États-Unis. Donc finalement, le dollar va se renforcer. Voilà. Et donc tout le débat tourne autour de ça. Et euh, si vous voulez, in fine, euh, on, on voit bien que euh, le, le, le point central euh, qui consiste à qui, qui, qui permet d'évaluer la force relative du dollar, c'est in fine la confiance en les États-Unis. Et in fine la confiance aux États-Unis, aujourd'hui, ce n'est pas la confiance dans l'appareil productif américain, parce qu'il est cassé, hein, très, 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 très sérieusement. Euh, il, est, euh, il est vraiment cassé. Et quand, quand vous entendez ce chiffre qu'on entend dans le débat qui est, qui est donné par Peter Schiff, que euh, comment dire, 90% des fruits de mer aux États -Unis, consommés aux États-Unis sont importés, c'est quand même hallucinant comme chiffre. Je veux dire, 90% des fruits de mer qui sont consommés aux États-Unis sont des, sont des fruits de mer qui sont importés. Alors que les États-Unis sont bordés euh, de, euh, de deux océans, euh, que euh, voilà, c'est un pays qui, normalement, devrait euh, consommer ses propres fruits de mer. Euh, on peut considérer ce chiffre comme anecdotique, anecdotique pardon, mais euh, il me semble que c'est vraiment euh, un chiffre choc parce que. Euh, je pensais pas qu'on on était à ce point-là. Je veux dire, vraiment, les États-Unis se sont spécialisés dans la consommation euh, facile, avec de l'argent facile, de la fausse monnaie, et, euh, et vraiment, ils se sont ramollis extraordinairement. Quoi. Je veux dire, c'est des gens qui, euh, qui ne travaillent plus. Je veux dire, même dans la Silicon Valley, on voit bien que euh, ils sont en manque d'ingénieurs qualifiés. Ils sont obligés d'aller chercher des Français, des Indiens, etc. pour que ça tourne. D'où aussi le, le côté très cosmopolite hein, des patrons euh, de la Silicon Valley. Il ne faut pas se cacher, hein, ils regardent d'abord leurs intérêts. Euh, quand vous entendez aussi Anna Salaji qui, euh, qui nous explique... Euh oui, les Américains voudraient bien relancer leur appareil de productif et d'extraction au niveau pétrolier, mais euh, il manque d'ingénieurs, il manque d'ingénieurs qualifiés pour le faire. Parce que pour ouvrir un peu de pétrole, eh c'est très, très compliqué, il faut trouver le pétrole, faire des sondages. Ensuite, euh, euh, bah, vu que les taux de dépression aujourd'hui sont importants et que euh, globalement on a déjà tapé euh, euh, le pétrole le plus facile à taper, eh bien, euh, il faut, faut, faut comment dire euh, améliorer les techniques, densifier les capitaux, etc. Euh, tout ça, c'est plus de complexité, donc il faut des ingénieurs mieux qualifiés. Et eh bien euh, voilà, on va chercher des ingénieurs dans le monde entier. Parce qu'on manque d'ingénieurs américains. Donc tout ça, c'est vraiment, euh, euh, il me semble quand même assez, euh, assez inquiétant au niveau du euh, de l'appareil productif américain. Je dirais à court terme parce que euh, les Américains, je pense, ont beaucoup de ressources. Mais là, franchement, ils se sont énormément ramolis et euh, il faut tenir compte euh, de ça. Euh, et donc euh, ce que je disais, c'est que euh, quelle confiance on peut accorder aux États-Unis et donc quelle confiance infinie on peut accorder au dollar puisque les deux sont liés. Euh, eh bien, il me semble que Outre cette question de l'appareil productif, de la capacité de l'appareil productif américain à générer de la valeur, qui à mon avis là-dessus est cassée, eh bien il reste une dernière valeur refus, je dirais, pour les Américains et pour donc le dollar, c'est leur armée, euh, comment dire, le, leur position dominante dans le monde, euh, euh, comment dire, le, le fait que ce soit des shérifs euh, du monde, euh, qu'ils euh, garantissent la sécurité euh, des voies de circulation, du commerce maritime, etc. Et ça, évidemment, euh, et qui garantissent aussi euh, comment dire, la sécurité euh, euh, du euh, coffre-fort euh, euh, du Golfe Persique, avec tout ce pétrole qui, euh, qui est euh, comment dire, stocké en, par, par mer nature. Euh, et donc, voilà, quelle est la capacité des, des États-Unis à continuer à assurer la sécurité des routes maritimes, euh, du coffre-fort saoudien, euh, aussi du coffre-fort, je dirais, ouest-européen, qui crée beaucoup de valeur, qui est une industrie euh, quand même assez. Euh, assez solide entre l'Italie du Nord et euh, l'Allemagne, euh, l'est de la France et, euh, et euh, l'Angleterre euh, l'Angleterre du sud pardon. Euh, eh bien voilà quelle est la capacité des États-Unis à continuer à préserver euh, leur hégémonie au niveau mondial, c'est-à-dire euh, leur armée et euh, comment dire euh, un certain équilibre des forces en dehors de leur position euh, dominante. Eh bien euh, en gros, euh, euh, je dirais que Peter Schiff lui euh, considère que les États-Unis sont dans une euh, pire situation que celle euh, des autres pays. Euh, mais euh, il met un petit peu de côté cet euh, argument de euh, l'armée américaine que Brent Johnson, lui, met en avant en disant euh, Oui, mais quand on aura tout perdu, en gros, on aura encore cette armée et ça, c'est pas prêt de bouger. Et je pense que c'est là-dessus que je voulais insister euh, parce que. Et, et c'est là que je vais faire le, le relais sur euh, une autre personne, un autre penseur que, que je suis activement, qui est Philippe Fabry, euh, notamment son, son atlas des guerres à venir. Euh, parce que Philippe Fabry nous explique que euh, dans euh, la guerre à venir, la quatrième guerre mondiale qui a probablement déjà commencé avec euh, l'invasion de, récente de, de l'Ukraine par la Russie, eh bien, euh, nous allons avoir d'abord euh, des défaites occidentales avant d'avoir une victoire finale euh, de la guerre par l'Occident. Et donc, c'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui, parce que malheureusement, la Russie est en train de prendre le dessus en Ukraine. Et euh, ce qu'annonce euh, Philippe Fabry, euh, je vous laisserai voilà, prendre connaissance de, de ses analyses euh, par vous-même, il a une chaîne YouTube, euh, il fait euh, de très bons livres que je vous invite à acheter. Euh, eh bien, il nous explique que le prochain mouvement russe devrait être euh, une invasion des Pays-Baltes, euh, et ensuite une menace de la Russie sur euh, Varsovie, finalement, sur la Pologne, et donc, in fine, sur euh, l'Europe de l'Ouest. Même si il est très peu probable qu'ils aillent euh, comment dire, envahir directement l'Europe de l'Ouest. Mais en tout cas, une fois que euh, comment dire, les Russes auront mis la main sur euh, une bonne partie de l'Europe de l'Est, évidemment, ils ne seront pas très loin de l'Europe de l'Ouest et ils pourront faire pression euh, énormément sur, sur l'Europe de l'Ouest. Euh, donc, imaginez quand même, je veux dire, les Russes euh, toujours menaçant sur Kiev. Euh, ayant conquis euh, toute l'Ukraine utile, finalement, parce que l'Ukraine de l'Est et l'Ukraine euh, du Sud, c'est l'Ukraine utile, c'est l'Ukraine où il y a de l'industrie, où il y a de la etc. Il y a les, évidemment la façade maritime. Imaginez les Russes à Tallinn, en Estonie, euh, en train d'exproprier de, euh, tous les YouTubeurs, <laughs> tous les, euh, YouTubers, tous les euh, euh, infopreneurs français qui sont exp 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 expatriés là-bas parce qu'on ne paye, paye pas beaucoup d'impôts. Imaginez un peu le choc. Euh, L'écroulement du marché immobilier, les Russes qui euh, menacent Helsinki, Stockholm, qui ne sont pas loin de Varsovie. Imaginez un petit peu, euh, je veux dire, le, le changement au niveau de la perception du monde entier concernant la puissance armée américaine. Forcément, ça va avoir un impact. Imaginez maintenant que les Iraniens euh, menacent le Koweït, euh, menacent, euh, menacent l'Est le, euh, le, de l'Arabie Saoudite. Que les Yéménites, euh, le, euh, que les yémen du Sud continuent à, euh, à poser énormément de problèmes euh, au Saoud. Imaginez un petit peu ce, 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 voilà, cette, cette menace sur le, le coffre-fort euh, du Golfe Persique par les Iraniens, par les chiites. Euh, imaginez qu'il y ait un conflit entre la Chine et l'Inde et que, en gros, ces deux grandes puissances euh, disent aux États-Unis écoutez, allez voir ailleurs, euh, on va se débrouiller entre nous. Imaginez un petit peu euh, comment dire l'évolution psychologique des masses, des foules, voyant ça constatant ça l'impuissance américaine relative ok mais quand même une certaine impuissance américaine en se disant mais voilà les américains ne sont beaucoup ne sont plus aussi dominants qu'auparavant on peut plus leur faire confiance euh, en plus de ça euh, euh, voilà comment dire euh, en interne en intérieur chez eux ils ont des difficultés des troubles sociaux ils ont de l'inflation bref leur économie va mal tout comme la nôtre mais leur économie va aussi mal euh, ils commencent à, euh, à ne plus pouvoir euh, importer autant qu'avant parce que justement ils ont moins de liquidités, etc. Et donc euh, je pense qu'il y aura quand même un, un moment donné où il va y avoir une perte de confiance relative du dollar et où le dollar va chuter. Va chuter, alors peut-être pas de 50-60%, mais euh, si une chute que ne serait-ce que de 20-30-40%, c'est déjà une chute énorme, euh, extrêmement importante, et qui aura des, des impacts énormes aussi au niveau des États-Unis en intérieur, parce que si le dollar chute, ça donnera moins de pouvoir d'achat pour les importations américaines. Alors les Américains euh, importent 90% de leurs de leur fruits de mer, je, je reste sur, sur ce chiffre assez accablant pour eux. Euh, donc euh, forcément, euh, ils pourront plus euh, euh, comment dire importer autant de fruits de mer et donc manger autant de fruits de mer qu'avant. Bon, ça c'est anecdotique, mais si, si vous reproduisez ça sur euh, tous les produits de consommation, tous les produits, euh, les machines-outils, etc., euh, ça a un impact énorme quand même aux États-Unis. Euh, donc moi je pense que euh, Brian Johnson dans ce débat euh, a raison en disant oui il faut euh, comment dire oui nous sommes faibles. En gros, aux États-Unis, nous avons une économie faible, mais l'économie des autres est aussi faible. Et l'avantage comparatif que les États-Unis ont sur les autres économies, c'est son armée. Sauf que je pense que Ben Johnson, euh, malheureusement pour lui, euh, comment dire, euh, il, il survalorise euh, cette, euh, cet avantage comparatif américain parce que je pense que les Américains vont quand même souffrir dans les 2-3 ans qui viennent. Ils vont euh, connaître des défaites, des revers. Euh, et euh, leurs défaites de leur revers seront aussi les nôtres mais ce sont d'abord les, les leurs parce que c'est d'abord l'armée amé américaine c'est d'abord la marine américaine euh, c'est d'abord euh, ce, ce budget de la défense américaine qui, qui va être euh, questionné euh, voilà. Euh, pourquoi tout cet argent sur l'armée américaine pourquoi, euh, euh, pourquoi, en gros, on finance aussi indirectement euh, nous par le privilège euh, monétaire euh, américain euh, un peu bah, euh, ne, la sécurité mondiale par l'intermédiaire de, de l'armée américaine Pourquoi l'Europe occidentale paye, paye pour euh, pour les Américains à ce sujet s'ils ne sont même pas capables de protéger euh, l'Ukraine, de protéger Tallinn, euh, de protéger les pays baltes, de euh, euh, protéger l'Arabie saoudite, etc. De protéger Israël, euh, voilà. Et donc je pense qu'il y aura quand même une chute de confiance à ce moment-là, et donc le, le euh, comment dire le, le dollar di risque de s'affaiblir, euh, risque de s'affaiblir ponctuellement parce que in fine, malgré tout, euh, les États-Unis sont une puissance extraordinaire. Ils ont beaucoup de pétrole, ils ont des ressources, euh, je dirais au niveau anthropologique un capital social qui est incroyable. Euh, vous avez des wasps qui sont vraiment euh, extrêmement industriels aux États-Unis et je pense qu'ils vont se réveiller. Je pense que ce réveil commence à poindre seulement, je dirais, à l'extrême droite américaine, mais euh, vous allez avoir quand même un réveil important des États-Unis, vous allez avoir aussi une cohésion qu'on va retrouver, je pense, à travers ces, ces revers en fait militaires, je pense que vous allez avoir aussi beaucoup d'hispaniques. Qui vont commencer à se sentir euh, plus américains que euh, latino-américains, parce que aussi en Amérique du Sud, ça va mal se passer. Je pense qu'on va continuer à avoir euh, des problèmes euh, au niveau des gouvernements corrompus, etc. Vous avez déjà Lula, on parle d'une victoire électorale de Lula, vous vous rendez compte, ce gars était en prison et il va revenir au Brésil, il va et presque gagner, euh, potentiellement gagner euh, l'élection. Vous avez euh, l'Argentine qui se porte mal, on a découvert des agissements euh, gaziers et pétroliers euh, en Argentine qu'on est incapable d'exploiter parce que le pays va trop mal est trop corrompu, euh, etc. Donc, je pense qu'à un moment donné, les hispaniques aux États-Unis vont se sentir américains et vont euh, rejoindre les WASP. Et je pense qu'on va avoir quand même un, un sursaut au niveau euh, productif, au niveau industriel américain qui va être euh, impressionnant, qui je pense va, va surprendre quand même euh, le monde entier. Et, et, et donc, euh, je dirais que l'aspect aussi répulsif euh, des euh, gouvernements, des États qui, euh, qui auront remporté euh, des. Des victoires temporaires comme la Russie, la Chine, l'Iran. Euh, ce ne sont quand même pas des modèles, ce ne sont pas des, des pays qui font rêver. Et, et bien, euh, je pense que tout cela va amener, en effet, comme le euh, propose et comme l'analyse euh, Philippe Fabry, à une victoire finale dans cette quatrième guerre mondiale des États-Unis sur, sur la Chine et la Russie. Et in fine, euh, vous aurez toujours une suprématie du dollar. Euh, qui, euh, qui ne sera pas le même dollar, puisqu'il aura forcément perdu de la valeur par rapport à l'or, notamment euh, entre-temps. Mais le dollar sera toujours là, et le, le dollar sera toujours la monnaie dominante. Et après avoir connu un reflux relatif, euh, peut-être jusqu'en 2024-2025, et bien après, quand les États-Unis vont commencer à reprendre le dessus, dans la guerre contre la Chine et la Russie, eh bien, je pense que le dollar va revenir sur euh, le devant de la scène et sera encore plus hégémonique euh, qu'auparavant. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il va se revaloriser très fortement, puisque euh, l'inflation restera. Enfin, je veux dire, là, on est presque sur 10 ans d'inflation aujourd'hui. Il faut, faut anticiper euh, 10 années de, de difficultés. En plus, la guerre va coûter cher. Vous allez avoir, vous allez avoir des destructions de, de biens, de capitaux, etc. Donc, vous allez avoir une inflation qui va rester pendant 10 ans, je pense. Donc, le, le, le dollar va redevenir hégémonique parce que les zones monnaies vont encore plus prendre euh, des difficultés dans la tête euh, que, que le dollar, qui après une période de faiblesse relative va revenir sur le devant de la scène. Donc Je pense que c'est ça qu'on qu qu va voir, c'est extrêmement difficile évidemment à, à anticiper, mais je pense que le meilleur niveau d'analyse euh, sur ce débat concernant le dollar, c'est la géopolitique, c'est euh, la guerre mondiale. Voilà. Euh, parce que vous avez d'autres analyses, comme Charles Gave, qui a commis un petit papier euh, cette semaine, qui est extrêmement euh, intelligent et bien documenté, euh, que je vous invite euh, à lire, je le mettrai dans la, descri dans la description également. Et donc et puis... Charles Gave euh, nous explique qu'il y a une difficulté de liquidité sur, sur le dollar. Pourquoi Parce que... Finalement, vous avez suivi euh, probablement cette histoire, euh, les Russes demandent à désormais être payés en roubles euh, au niveau de leurs euh, hydrocarbures, et les Européens veulent acheter de moins en moins d'hydrocarbures euh, au niveau de, de la Russie. Or, ces hydrocarbures qu'on achetait euh, précédemment en euros, euh, principalement euh, aux Russes, euh, parce qu'on avait déjà fait euh, cette, cette modification par rapport euh, aux achats en dollars euh, précédemment des hydrocarbures, euh, que nous faisions euh, désormais largement en, en euros, eh bien... Comment dire tout, tout ces, tout ces, Tous ces euros euh, ne peuvent pas aller acheter euh, en substitution du euh, pétrole saoudien, émirati, euh, euh, etc. Et il faut que ce soit fait en dollars. Donc nous avons une difficulté euh, finalement monétaire puisque nous, avons, nous avions tous ces euros qui allaient s'investir sur les hydrocarbures euh, russes qui euh, ne peuvent plus aller s'investir euh, nulle part. Et donc, euh, nous sommes obligés de les vendre pour acheter du dollar, pour aller acheter des hydrocarbures de substitution euh, dans le Golfe Persique, notamment. Et aussi directement aux États-Unis, avec le LNG, notamment. Et donc, euh, tout ça provoque euh, une demande, un afflux euh, au niveau des dollars et une baisse, une baisse de l'euro, qu'on a évidemment constaté là, depuis quelques semaines. Cela dit, il me semble que l'analyse de Charles Gave est une analyse quand même assez technique, assez, assez court terme, parce que euh, nous avons, euh, je pense, connu un top au niveau, un sommet au niveau de la valeur du dollar euh, euh, ce mois de, de, de mai 2022. Vous allez voir euh, l'index euh, DXY, euh, qui euh, est un index donc euh, du dollar contre tout un panier de, de valeurs euh, de monnaie. Euh, et qui montre que euh, euh, comment dire, le, la valeur du dollar a fortement augmenté jusqu'en mai euh, 2022 avant de commencer à diminuer. Et je pense que euh, le dollar a augmenté euh, notamment à cause de ça, notamment à cause de cet effet de substitution de l'achat d'hydrocarbures. Qui se faisait précédemment en euros au niveau des Russes et qui ne peut plus se faire autant en euros auprès des, des Perses, enfin du Golfe Persique, pardon, des Saoudiens, des Koweïtiens, Qataris, etc. Et qui a besoin donc de se transformer en dollars, et donc il y a une demande qui se crée en dollar. Donc je pense que c'est cela que nous avons constaté, et je ne suis vraiment pas sûr que ce soit suffisant pour dire euh, que euh, nous allons avoir euh, une continuation de euh, l'augmentation du dollar par rapport, euh, par rapport à, euh, aux, autres, aux autres monnaies, au DXY. Euh, euh, le, le, cet indice DXY, le DXY, cela dit aussi, il faut le regarder avec prudence puisque euh, comment dire, il est un, le dollar y est indexé auprès de, de monnaies qui, elles aussi, s'affaiblissent. Et je pense qu'il faut aussi juger la valeur du dollar par rapport à l'or et la, la valeur du dollar par rapport à des monnaies qui sont plus fortes, notamment des valeurs asiatiques, notamment le dollar australien, etc qui permettent de, de, de juger peut-être un petit peu mieux, euh, un petit peu plus précisément le, le dollar. Mais en tout cas, sur l'analyse technique de, de Charles Gave, euh, qui est vraiment brillante, euh, je, je, je ne pense pas que cela puisse amener euh, comment dire, un renforcement du, du dollar euh, outre que celui que nous avons déjà constaté jusqu'en jusqu mai 2022. Et je pense que depuis mai 2022, le, le dollar baisse, et je pense qu'il va continuer à baisser. Et il me semble que il va nettement baisser, chuter, quand euh, nous allons constater les, les revers de l'OTAN euh, dans les Pays-Baltes et peut-être en Pologne et peut-être ailleurs aussi, malheureusement. Euh, donc nous verrons bien, c'est assez compliqué d'analyser la situation. Euh, mais euh, on voit mal quand même euh, les Américains obliger euh, les Européens ou les, euh, les Saouds ou les euh, Japonais à continuer à acheter leurs obligations pourries, euh, d'autant plus si, si le dollar commence à baisser. Euh, et d'autant plus si, in fine, leur armée n'est plus aussi efficace, en tout cas n'est plus jugée aussi efficace qu'auparavant. Euh, voilà, je voulais vous faire donc ce point sur ce débat assez intéressant. Je vous invite à l'écouter si vous parlez un petit peu anglais, si vous comprenez l'anglais. Euh, c'est quand même plein d'intelligence et, et de mesures. Vous avez de l'analyse fondamentale en plus, c'est vraiment, vraiment bien fait. Voilà, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous n'êtes pas d'accord. Euh, partagez, aimez si vous aimez. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.